Excusez-moi, j'ai... m'a semblé entendre frapper, mais non en fait. Ça doit être un chat qui fait des bêtises dans le salon. Ok, j'ai des gros soucis. Enfin, la flotte fait n'importe quoi, hein, je... Ah oui, j'ai même pas les fonds suffisants pour... D'accord. Ah oui, bah oui, c'est les arbres. C'est les fameux arbres dont je viens de vous parler qui m'ont vidé ma trésorerie. Mais à terme, je vous dis, ça va rapporter. Parce qu'en fait, donc je vais avoir des... Même pas, ils sont même pas posés les arbustes. Ouais, si en fait, ils sont achetés, mais ils sont pas posés. En fait, donc ça va produire des arbres. Va peut-être falloir que j'engage plus de jardiniers. Ouais. Mais je peux pas. Bon. Et vu que j'ai le premier poste électrique qui commence à... Enfin, il est à plus de la moitié, j'ai largement encore de l'espace. Mais je vais en acheter un deuxième. Enfin, dès que je peux, je vais en acheter un deuxième. Alors, où est le problème? Je vois pas où est le problème. En équation, tout va bien. Je vois pas pourquoi. Ben, je vois pas où est le problème. Hop, subvention. Donc j'ai toujours le long terme qui attend. Je vais voir le solitari. C'était combien? Apparemment j'avais assez. Ok, apparemment là j'ai un autre investissement que je dois attendre. Donc on va prendre ça. Je sais pas combien de temps je dois attendre. 60 heures. Non. 124 heures, ok. Donc on devine avec les noms hein, des objectifs qu'est-ce qu'on doit faire, mais... Le bloc A c'est combien? Capacité d'admission à 15, putain j'aurais pu avoir ça. Bah je pouvais le prendre quand même. Ah d'accord, je suis pas limité qu'à deux. Qu'à deux. Ok, bah à 3. Admission à 100, ça marche aussi. À 200, ça marche aussi. Et bah en voilà du pognon. E à 500. Ok. Bah en voilà du pognon. Je manquais de pognon, bah en voilà. Bon, alors on va continuer, c'est à prendre évidemment, hop, à acheter des lits, parce que voilà. Voilà, puis on va acheter, hop. Pour tout le monde. Comme ça, hop. Normalement, là, alors, ouais, j'ai 300 de capacité. Si j'arrive à monter à 500, bah, c'est bon, quoi.
Ok, j'ai du décès, mais bon. Ou alors, ce sont des femmes enceintes. Ça doit être ça. Ça doit être des femmes avec des enfants ou... Non, c'est pas possible. Enfin... Mon avis, c'est ça le problème. Mon avis, c'est ça. C'est que les prisonnières de moyenne sécurité en question qui posent problème, ce sont des nanas enceintes. Et je vois que ça comme explication. Je vois que ça. Donc, eh ben, on va créer un autre endroit spécial pour elles. Voilà. On va créer pour les femmes enceintes en particulier. On va créer. Alors là, par contre, ça va être le merdier. Enfin. Bon, je vais mettre en pause le temps de créer ça. Donc ici. Ici. Voilà. Ici ça va être alors on va et puis en face on va créer une crèche. Oups. Ah. Ouais non, en face, alors le problème c'est que ce bâtiment là je vais devoir l'agrandir. D'ailleurs je vais programmer son agrandissement tout de suite. Hop, et je vais l'agrandir. Comment ça verrouiller? Ouais, si tu veux. On va mettre ici et voilà, je vais l'agrandir comme ceci. Puis vous savez quoi, bah la crèche je vais la coller simplement. Je vais la mettre là, voilà. Ouais, puis pareil, je vais faire un bloc de 21 par 21, et puis c'est parti, quoi. Hop, et puis bah là, hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ici, je vais créer la cellule pour les femmes enceintes. Donc ça s'appelle une cellule familiale, je crois. Ou un bloc de cellule familiale, hein. Je vais bien... se débrouiller parce que je sais pas comment, je connais pas les modalités pour voilà, c'est le familial. Oh, vache, la quantité de choses qu'il faut, et c'est individuel. Le lieu de vie pour vos prisonniers. Est-ce que j'ai le droit d'en faire qu'une? Bon, et je regarde les modalités pour la crèche. Salle d'activité pour les prisonniers avec des bébés. Ok. Ouais, faut vraiment gérer ça. Hein. Wow. Et où sont les pères de ces enfants? Bon, allez, c'est parti. Bah oui, madame, vous êtes en prison avec un enfant. Bah en même temps, fallait pas tuer votre mari. Bah oui, vous emmerdez tout le monde là, dans la prison. Oui, je sais, je suis un enfoiré. Bon. Prochain truc qui va craquer, c'est quoi? Ça a l'air d'être les bases sécurité. J'en ai 49 avec une capacité seulement de 90. Et le truc, c'est que c'est même pas différencié les... Je veux dire, il n'y a pas base sécurité mère, ou un truc comme ça, enfin, entre parenthèses, le nombre de personnes qui sont mères, quoi. Le nombre de femmes qui sont mères, quoi, quand un enfant à charge. Donc
C'est relou. C'est relou. Juste une question dans mon déploiement. Ouais, bien ce qui me semblait. Voilà. Bon, ok, j'ai le premier bâtiment qui a été créé. Donc on va créer la... On va créer la cellule familiale. Et j'ai un chat qui fait des bêtises. Une seconde. Ah, salut. Je sais pas qui est-ce qu'il y a sur le... sur le live actuellement. Salut. Donc, bon. J'ai un chat qui fait des bêtises. Je reviens. Donc, alors on y va. Donc, on avait, donc on devait créer une cellule familiale. Donc, c'est parti. C'est dans pièce. Ah, la petite crèche qui va avec. Ok, et on va mettre les... Donc ici, c'est vraiment pour clôturer la... C'est vraiment pour clôturer la cellule, mais ces portes-là vont être ouvertes en permanence. On va juste mettre quand même entre les deux un détecteur de métaux. Hop. Voilà. Donc j'ai quoi? Donc il me faut un lit, des toilettes, berceau, pomme de douche. Alors j'espère que c'est pas obligé d'être individuel, que je peux mettre plusieurs lits. Pour de toute façon on va bien voir, je vais mettre deux lits, et si j'ai deux femmes qui arrivent dans cette cellule, ben, c'est que c'est multi. Si j'en ai qu'une, c'est que ben il y a un problème. Donc pour le moment je vais en mettre que deux. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des berceaux. Je vais mettre deux berceaux, on verra bien. Toilette. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Pomme de douche. Ah oui, d'accord, ok. Il leur faut... il leur faut des douches individuelles, donc... C'est où le pomme de douche? Là. Hop. Et je vais raccorder tout ça à l'eau. Ah oui, alors, faut que j'arrête de faire ça. Apparemment, faut que j'aille jusque là et là. Voilà. Ok, à côté on a la crèche. Donc la crèche, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une table de service, une table normale, un banc, un berceau et un tapis de jeu. Alors que j'ai 37 prisonniers qui arrivent au même moment. Alors, objet, donc je zoome un petit peu. Donc il me faut... Ah d'accord, ok, la table de service, ouais, c'est une table... D'accord, c'est une table pour manger quoi. D'accord, ok, bon. Hop, je l'ai mise dans le mauvais sens. Ok, table de service. Tapis de jeu, on va mettre un... On va mettre un tapis de jeu. Ah d'accord, je pensais que ça pouvait être... bon. Voilà, on va mettre 4 comme ça. Enfin, 9 comme ça. Il me faut quoi d'autre? Bon. Table. Bon, table. Qu'est-ce qui me manque encore? Des berceaux, encore une fois. Je vais en mettre quelques-uns. Hop.
Voilà. Vraiment, une fois que tout est posé, tout ça c'est fonctionnel. Il manque juste que je tire l'électricité. J'avais dit que les deux portes qui étaient là, hop, ouvertes en permanence. Et pour le moment, celle-là, je vais la laisser ouvert aussi, de façon à ce qu'ils puissent bosser tranquillement, les mecs. Ok, donc là, on a apparemment une femme. D'accord, on a une femme avec un enfant. On peut avoir des précisions sur elle. Montrer le casier judiciaire. Voilà. D'accord, 6 ans pour... Alors, rioting, ça veut dire... Ouais, émeute, donc... Mais émeute en prison, ou... Non, émeute, à mon avis, c'est... D'accord, ça a l'air d'être une opposante au régime ou quelque chose comme ça. Alors, pourquoi là, c'est marqué fille 0? Alors que, clairement, elle a un enfant. C'est pas clair votre histoire. C'est bizarre, c'est pas marqué qu'elle est mère, quoi. C'est chelou. C'est très très bizarre comme histoire. Ok, par contre j'ai vu le. Ouais, alors hop, c'est bon, je vais arrêter de la suivre. Mais apparemment, en plus. Voilà, alors là ça marque capacité parent 1, mais en fait, je peux pas. Et donc voilà, et donc j'ai ma réponse. Les cellules familiales, c'est forcément individuel. Et merde. Et merde. Bon, et ben ainsi soit-il, on va remanier ça. Donc c'est du combien fois combien minimum? 4 fois 4, hein. Donc comme un bureau. Bon, ben, on va faire avec. Alors. En plus, je trouve ça super glauque, quoi. Le gamin, il est élevé en prison, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve ça glauque. Franchement, je suis quelqu'un. Voilà, vous voyez, j'ai créé une prison de taré, clairement, et puis mais je trouve quand même que le jeu est encore plus glauque que moi, quoi. Donc c'est vous dire. Non, c'est pas là que je voulais le mettre, c'était là. Ok, donc ça c'est une première cellule. 4, hop. Ok, ensuite, on va juste se passer de 3 quand même. Voilà, on a encore une cellule. Alors on va aller jusque... Hop. Ok. Hop. Et hop, voilà. Donc ok, là-dedans, donc il nous faut... Ah ouais, alors il nous faut à chaque fois un lit, un berceau et des toilettes. On va essayer d'optimiser ça la meilleure façon possible. Donc voilà déjà les lits.
Les toilettes, on va les mettre là. Et il me faut le berceau. Hop. Bon, on va l'agrandir. On va agrandir ce bâtiment. Mais l'espace là qui est là, résultat, je sais pas quoi. Est-ce que je peux caser encore des cellules là? Ça va être difficile. Je trouverais bien. Là. Les mecs, mais je sais pas comment vous vous démerdez, mais... Qu'est-ce qui manque? Les pommeaux de douche, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié cela. Voilà. Oula, ça lague un petit peu. On va y arriver. Donc, va falloir que je revoie tout le système. Comme ça. Alors, je vais tout de suite c'est attribuer un. Maintenant, c'est pas ça que je voulais. Déploiement. Voilà. Attribuer un gardien ici pour même 3. Hop. Pour gérer les portes là, parce qu'à chaque fois les ouvriers ils galèrent. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est recruter aussi plus de gardiens, enfin, de gardiennes, parce que là, visiblement. Tout le monde est débordé. Allez, 70 gardiens. Zut. On va agrandir ce bâtiment et rajouter d'autres cellules pour les parents, parce que voilà. Là, je vais les monter. Voilà. Qu'est-ce qui manque là? Il manque quoi? D'accord, le lit est pas posé. Et le berceau non plus. En fait, c'est bête. J'aurais pu en fait mettre ces éléments-là ici, sur le côté, simplement. Bah, je crois que je vais faire ça. Tout simplement. Ouais, pour le moment ça c'est temporaire, on trouvera une autre utilité à cette pièce. Je sais pas encore quoi, mais c'est parce qu'il... je mettrai des chapelles, je mettrai la salle commune, je mettrai aussi... Ah, je peux mettre aussi la salle de... Enfin, les salles de conditionnel, ici. Je peux faire pas mal de choses.
Donc cette pièce là ne sera pas inutile. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Et je vais prendre l'outil de duplication. Est-ce que je peux dupliquer jusque... Non, je peux pas dupliquer jusque là-bas. Bah, ça fait rien. Est-ce que je peux... Ouais, est-ce que si je fais ça... Ouais, donc ça sert à rien que je duplique autant. Hop. Est-ce que je peux dupliquer? Oui, je peux les dupliquer deux par deux. On va gagner du temps. Hop. Et hop. Voilà, pareil. Est-ce que je peux... Non. Je peux que deux par deux. Dupliquer. Dupliquer. Ok. Alors... Niveau eau, électricité, tout ça, ça a l'air de galérer encore. J'ai encore un câble qui est parti ici alors qu'il devrait encore être là. En fait, là, il faudrait que je passe un... Ouais, donc... hop. Alors, j'ai encore un bug avec un tuyau, là, qu'ils veulent pas poser. Ce qu'on va faire, c'est je vais réorganiser ça, mais hop, je vais couper là. Enfin, je vais faire passer par là. Et là, je vais alimenter toutes les toilettes et toutes les douches. Simplement. Cellules, donc 3 4 5, hop, et ici voilà. Bon, ici je pense qu'on peut hop, déverrouiller, enfin reverrouiller, et j'ai mon déploiement qui a encore sauté, évidemment. Donc voilà. Pas d'accès. Pourquoi j'ai un truc avec... Ah oui, d'accord, j'ai un truc vide ici. Bon. Alors, où j'en suis niveau capacité ? Le problème, c'est que je vois pas combien j'ai de... Enfin, je vois pas en un coup d'œil combien de prisonniers mères j'ai. Combien de prisonniers parents j'ai. Donc, c'est ennuyeux. Ouais. Bon. On va réorganiser ce truc-là, donc c'est très simple, donc il me faut, donc je vais zoomer sur la crèche simplement, puis je vais mettre à côté, hein. Hop, donc il me faut ça, il me faut le banc. Table. Hop. Voilà. Il me faut le tapis de jeu. Voilà. On va mettre comme ça. Et il me faut les berceaux. Toutes mes cellules sont occupées. Toutes mes cellules pour les parents sont occupées. Oh, c'est le bordel.
ce bordel. Ouais, va falloir que je crée un bloc de cellules exprès pour elle. Alors, par contre, pièce, crèche, hop. Voilà. Ça doit pas être... Ouais, c'est bon. Ça doit pas être en... Donc, ça veut dire que potentiellement... Ah non, non, non. J'ai plus de... J'ai plus de lit disponible pour les moyens de sécurité. D'accord. Donc, il faut que je rachète des lits pour les moyens de sécurité. J'en rachète 3 rangées, comme ça. Je suis tranquille. Bah normalement, normalement je suis tranquille. Alors... Bah c'est bon. J'en ai largement assez. Niveau basse sécurité par contre ça va commencer à craindre. Va falloir que j'agrandisse ma cellule de basse sécurité. Donc bah, je vais faire ça tout de suite. Je vais faire ça tout de suite tant que je le peux. La petite sauvegarde automatique qui au mauvais moment. Hop, voilà. Et bah ici aussi, hein, résultat. Je vais devoir encore augmenter ici aussi. Voilà. Et quitte à faire, hop, jusqu'au bout. Hein. On va aller jusqu'au bout. Voilà, j'utilisais tous mes fonds à ça, comme ça. Là, avant d'avoir des problèmes de, bah, tous mes fonds non, parce que j'ai dépassé les 500 en subvention, donc tac, voilà. Prochaine subvention à 750. Niveau de sécurité gouvernementale, qu'est-ce qu'il me faut? Des gardiens armés, des patrouilles de chiens. Ouais, j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Réhabilitation, non. D'accord. Green Mile. Je sais pas ce qu'il me faut. Ah, Green Mile. Oui, d'accord. Ligne verte, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut... Sales bed, toilette, TV, shower. Pas ce qu'il me faut. Merde! Oh l'évasion! Oh l'évasion! Oh le dallage! Oh ça se beule! Oh ça se beule! Oh le con! Oh le con! Oh le con! Oh merde! Oh, oh merde! Ah, j'avais pas prévu ça, bah ouais je l'ai fait en deux temps. Oh le con! Oh le con! J'ai combien d'évasion là? Oh le... Oh pardon! Combien? Je vois pas le nombre. Apparemment 12. Je vois un 1 et un... Oh, oh mon dieu.
Ah, ce meurtre. Ah, ce meurtre. Ce meurtre du jeu. Bon. Ah, mon dieu. Là, je me suis fait avoir, mais comme un débutant, quoi. C'est... Oh là 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 là, quelle connerie. Ah, là, je suis con, là. Là, je suis désolé, c'est vrai. Je suis vraiment con, là. Là, sur ce coup-là... Non, pas là. Ouais, sur ce coup-là... Wow. N'importe quoi. La bêtise jusqu'au bout, quoi. C'est un gros trou, c'est pas possible. Oh, j'en reviens pas de la connerie que j'ai faite, honnêtement. J'aurais dû attendre en fait que le bâtiment soit construit avant de lancer la programmation de l'autre. C'est... Oh là 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 là, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, je suis à combien en capacité là? Déploiement. Donc ce sont des dortoirs. Ok, capacité. Faut que je refasse mon déploiement. Hop. 1, 2, 3. 218. Ça va. Je peux encore ajouter des lits et puis c'est bon quoi. Mais je vais rajouter des liens en moyenne sécurité. Hein. Je vais pas encore en rajouter. Je vais pas en rajouter tout de suite en basse sécurité. Alors, je devrais faire un truc. Non. Duplication. Hop. Voilà. Ça irait deux fois plus vite. Le message en fait qui dépasse pas de l'écran, c'est un peu... Il le fait exprès en plus. Voilà. Bah, écoutez, je vais le faire un peu pour les basses sécurité aussi. Comme ça, ce sera fait. Par contre, le pognon, mon dieu, le pognon, il part à une vitesse. Le pognon part à une vitesse, c'est pas permis, quoi. Ok, j'ai plus assez de fonds pour le reste. Bon, alors, prochaine subvention. On va continuer, hein. Quelle heure il est là? Oula, ouais, ça va faire 3 heures que je live, quand même. À faire 3 heures que je live. Bon, il y a parfois une personne qui vient sur le live. Oh là là, franchement, pour ce second live, c'est vrai que c'est pas un succès, hein. Niveau live, c'est pas... Solitary Extended. Combien il me faut? Assez. Je sais pas combien il m'en fallait, mais j'en ai eu assez. Donc ça c'est bon.
Ça, je vais le prendre. Oh, d'accord, bah c'est bon, je les avais en fait. Donc je vais prendre les 1000 tout de suite. Ça, c'est quoi ça? Donc, ok, donc c'est un truc avec le parloir, mais le parloir, c'est prévu que je le fasse plus tard. J'aurais bien envie de m'intéresser au bien-être du personnel, mais pas tout de suite. Pour le moment, je prends ça. Hop. Voilà. Ici, c'en est où là? J'ai l'impression que ça a bugué ici. Donc, temporairement, juste temporairement. Il y a une porte de prison ici. Trop dangereux. Pourquoi trop dangereux? Aucune raison pour que ce soit trop dangereux. Hop, on va prendre ceci. On va créer des nouvelles cellules pour les... Pour les femmes qui sont, enfin qui ont des enfants. C'est moi ou il y a un... Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. Je pensais qu'il y avait un problème, mais en fait non. Ok. Voilà, ça me fait des cellules familiales en plus. Bon. Par contre, alors ça je vais l'arrêter. Ça, par contre, cette porte-là, je vais la remettre en mode normal. Mon déploiement ici, il a dû sauter. Ouais, je m'en doutais. Donc... Sachant qu'en réalité, la crèche, là, je vais l'étendre. Je vais étendre la crèche. Pièce. Crèche. Et il faut que je supprime la crèche d'à côté aussi. Elle n'est plus d'actualité. Voilà. Et donc ici, cette crèche-là, hop, elle n'est plus d'actualité. Objet. Et je vais démonter tous les objets qui sont là. Bon, c'est tout. Et ici, je verrai. Ben, je vais peut-être faire le parloir ici. Je vais peut-être peut-être le faire ici. Non, pas le parloir, la conditionnelle. Parce que la conditionnelle, ça peut être aussi un bon moyen de libérer le... Ah. D'un côté, de libérer un peu la prison, mais aussi faire de l'argent, parce qu'à chaque fois qu'on libère une prisonnière en conditionnel, ça nous rapporte 3000 dollars. Donc voilà. Il manque 7. Il y a 7. Alors apparemment, il y a 7 prisonniers. Enfin, il y a 7 prisonnières mères qui sont encore en attente. Parce que pour le reste, j'ai tout. Pour le reste, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, il va me falloir par contre. Alors, je vais terminer ça. Alors, ouais, je termine rapidement. Je termine à 5 heures. Ok. Donc,
On termine le dernier quart d'heure là, hop, voilà. On va prendre la pièce. Dortoir. Bing. C'est fait. Déploiement donc haute sécurité, ici. Trois gardiens. Ah oui, sauf que j'aurais dû d'abord c'est supprimer ça. Non, 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 les mecs. Bon, tant pis. Il arrive ce mur, nom de Dieu! Trois évasions. Juste pour barrer une porte. Parce que de toute façon, ils allaient la broyer s'il y avait. Suffisait qu'il y ait. Comment? Qu'il y ait une émeute et ils passaient par la porte. Hein. C'était pas compliqué. Hein. Donc c'est pour ça que je pouvais pas absolument pas laisser la porte telle qu'elle était. La porte donnée sur l'extérieur, faut pas déconner quoi. Je me suis pas du tout occupé, c'est des punitions, c'est du règlement intérieur. Tiens, vous avez vu, il y a une émeute là. J'ai vu une émeute, je l'ai pas vu, enfin j'ai rien vu du tout en fait à l'émeute. Elle a été maîtrisée en deux temps trois moments. Bon, ça donne quoi ça? Bah c'est bon, donc j'ai encore eu ma subvention pour 1000 Devonhope, c'est quoi ça? D'accord, ça c'est pour la chapelle. Bon, on va la créer. On va créer deux trois trucs ici. On va créer deux trois trucs ici. Une chapelle, je vais la prendre la subvention. Je vais la prendre déjà, dans un premier temps. Bon, ok. Bon, je sais pas du tout ce qu'il demande précisément, mais je pense que de toute façon je crée une chapelle. Donc c'est quoi? Donc 6 fois 6 en intérieur avec un autel, un banc d'église et des tapis de prière. Donc compliqué, je vais me mettre là, 6 fois 6, bing. Il me faut donc, j'ai dit un objet, je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc un autel. Des bancs d'église et des tapis de prière. Est-ce que ce sera suffisant? Il me manque un truc visiblement. Il me manque un truc et je sais pas ce que c'est.
P-E-W-S. Traduction. Je ne connais pas. Allô Firefox, s'il te plaît. Alors, j'ai trad. Et donc, Pew. Des bancs. J'ai pas assez de bancs. J'ai l'air con. Bon. J'ai simplement pas assez de bancs. Comment je vais faire mon compte? Faut que j'agrandisse la salle. Je vais agrandir la chapelle. Rajouter des bancs, simplement. Hop, est-ce que là il y en a assez? Est-ce que je vois pas 80% apparemment, donc ouais, donc 4 de plus ça devrait aller. Il en fallait que 5 en fait, je crois. Donc ouais, c'est ça en fait, il en fallait que 5, il me manquait juste un banc en fait. Quoi, j'ai pas encore assez de bancs? Non, mais je suis sûr. Enfin, non, c'est bizarre. PEWS, c'est ça, hein? Anglais détecté, français, c'est donne banc. Ouais, c'est ça. Dire faut pas un banc normal, c'est dans une église, ça a rien à voir. Je rajoute quelques tapis de prière au cas où. Non, normalement c'est bon, prière c'était ça. Et bon, on va bien voir. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sinon c'est con. Sinon c'est tout con en fait, il faut que les bancs soient devant l'hôtel, ce qui est logique hein. Non, c'est ça. Faut que donc je vais la démonter. Hop. Démonter. Démonter. Et je vais remonter donc l'hôtel à la place des deux bancs qui sont là. S'il vous plaît, vous dépêchez, merci. Ok, mes deux bancs d'église ici. Voilà. Est-ce que là ça te convient? Toujours pas. Est-ce qu'il me faut plus de bancs? J'ai l'impression que le nombre a changé en plus. Donc ça doit être ça. Il me faut beaucoup plus de bancs. Pièce. Chapelle. Hop. Petite émeute, vous l'avez vu? Moi je l'ai pas vu. Objet, bon, allez, vous avez pas assez de bancs là? Ah, j'ai mon écran qui est rougi, donc je vais m'arrêter là, il est bientôt 17h. Est-ce que ça se voit sur... Je sais pas si ça se voit sur... que mon écran rougit. J'ai Flux en fait qui me permet quand le...
quand le soleil se couche, en fait, mon écran en fait rougit, ça limite la lumière bleue. J'ai installé ça, ouais. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Il y a assez de bancs, d'églises, tout ça. Bon. Ah bah dis donc. Quel monde ! Et autant de croyants que ça ? Wow ! J'aurais jamais cru. Enfin, j'aurais jamais cru dans une... Dans une prison, quoi. Je sais pas, il y en a, ils sont là pour meurtre, et puis, je sais pas, le premier... Enfin, un des premiers commandements, je sais pas si c'est le premier ou... Je sais plus si c'est le premier... Mais tu ne tueras point, quoi, je veux dire, et puis c'est commun à quasiment toutes les religions, ça. Enfin. Enfin, aux trois religions... Abrahamique. Alors, je vais limiter... Ouais, je vais... Je crois que j'ai paumé par contre un... Ok. Alors, il me faut du... j'avais dit 6x6 en chapelle. Donc c'est du... 6x6. Hop. Six fois 6, ça me donne jusque, j'ai dit, là. Ok, donc là, ça dégage. Il me manquera un hôtel, mais je vais le démonter. Démonter. Je le limite à 6, en fait, Voilà. Comme ça, parce que j'optimise quand même la place. Et écoutez, bon, on va s'arrêter là. Pour ce live. Attendez, je retourne d'ailleurs sur le live. Ouais, il y a un visionnage en cours. Ben désolé à la personne qui est là, mais ça fait 3 heures que je live, donc je vais m'arrêter là. Je sais pas quand est-ce que reprendra le prochain live. Pas le week-end prochain en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être dans 2 semaines je relive. Quoi qu'il en soit, suivez sur Facebook. Suivez sur Facebook, je préviens sur Facebook quand je live, alors souvent je préviens la veille au soir, malheureusement, je peux pas faire autrement en ce moment. Mais j'essaierai de prévenir le plus rapidement possible quand un live est prévu. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais sauvegarder. Et donc vous retrouverez juste un dernier détail donc pour la personne qui est en live actuellement avec moi. Tu pourras revoir la rediff de ce live en 1080p sur ma chaîne YouTube dans quelques jours. Voilà. Allez, à bientôt. Alors le live, comment on le coupe ?